Dans exactement 4 heures, j'ai un deck de l'autre côté de ce lac. Malheureusement, le pont vient de s'effondrer. Donc faut que je trouve une solution, la construire et traverser le lac. C'est maintenant. Mec, faut pas que je le rate ce date, il est trop important pour moi. Je veux arriver avec classe. On va partir sur un bateau, je pense. Attends mec, faut que je me change. Maintenant, faut qu'on trouve quelque chose pour faire un bateau, un truc pour se déplacer. Je pense qu'un bateau, c'est une bonne idée, non? Ouais, c'est trop bien, mec. Viens, on fait le bateau dans One Piece ou le Titanic. Je crois qu'on pourra pas faire ça, mec. Oh putain, mec, il y a une planche. On va trouver autre chose, putain, qu'est-ce qu'on peut trouver là? Ok, on met là ce qu'on a trouvé. Oh putain! Mais non, mec! Il y en a deux! Faites genre, on a tous pas compris ce qui se passait, c'est plus drôle. Ok, mais non! Regardez tout ce qu'on a pour l'instant! Mais quoi? Regarde, mais mec! C'est un mât! Je suis le plus grand des pirates! Oh, mais quoi? Il y a des vis. Oh putain, mec, regarde! Quoi? Il y a du scotch et un mètre. Mec, en plus, il est tout neuf. On dirait qu'il vient d'être acheté à Action il y a vraiment 5 minutes. Non. Avec ma carte, non. Avec ma carte en plus. Incroyable. Oh, mais non. Ah, de la bombe de peinture pour me pimper le bateau. Tiens, enfin, un peu un bateau à la Venise, genre. Ouais, pour le date, c'est parfait, comme ça. Là-bas, j'ai l'impression qu'il y a des trucs. Mec, il y a une palette. Tout est parfait. Elle est bien, non, en plus? Bon, mec, on arrête de mentir. En fait, on est chez moi. Pour des raisons évidentes qu'il faut l'électricité et c'est plus simple. Moi, je pense que la base, on va prendre une palette. Imaginons, on dit que ça, c'est mon super bateau. En gros, moi, je veux que ça soit comme ça. Est-ce que tu peux m'envoyer le feutre? T'as le favol. Merci. Putain. Putain. J'ai pas eu le temps de voir le chiffre. Est-ce que c'est bien ou pas? Là, toi, un beau bateau, déjà. Bah oui, ça suffit. D'ailleurs, on parle, mais regardez l'heure qu'il est, là. Faut te dépêcher, frérot, là. Le concept de base, c'était 4 heures, mais il y a eu tellement de préparation, tellement de trucs qu'au final, je crois que c'est vraiment le bateau le plus rapide au monde. C'est vraiment un bateau éjaculateur précoce. Et on citera pas de nom qu'on connaît. J'ai une piscine. On va la gonfler, comme ça, on va pouvoir faire des tests pour savoir est-ce que le bateau flotte ou pas. En vrai, je pense pas qu'elle va être longue à gonfler, si. Non, je rigole. En fait, je viens de penser à un truc. Est-ce qu'on joue la facilité ou on joue la compétition? Aucun rapport. Prends la palette. On la fout dans la piscine. Et là, en gros, vu qu'il y a les planches, on peut lui donner la forme qu'on veut. Et là, tout ça, ça prend la paroi. Et là aussi. Et du coup, ça nous fait un... Un flotteur. Un flotteur, ouais. C'est un peu triché ou pas? Je sais pas, mec. Je sais pas prendre de décision dans ma vie. Ils vont être déçus. D'ailleurs, regardez cette magnifique cabane derrière moi, là. Si vous l'avez toujours pas vue, on a construit cette cabane. Donc, allez voir la vidéo, le lien est juste ici. Là, c'est pas du tout le même genre de construction que la cabane. J'aime bien aussi les constructions où faut être efficace, rapide. Bon, finalement, on choisit pas la facilité. On va remplir cette piscine d'eau. Ça sera notre piscine test, le faux lac. Pour voir si notre bateau, il tient. Parce que j'ai envie de faire un vrai bateau, moi. Bon, du coup, il faut que je coupe deux planches à 135. Tac. Donc là, on est à 135. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais un bac pro menuiserie? Est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais un bac pro menuiserie? Oh non! Quoi? Ça s'est cassé? La lame? Non. Regarde, j'ai plus de lame. Par contre, t'es pas très droit. Hein. Ouais. Non, mais ça, c'est normal, ça. Attends, viens, on prend un instant. On analyse, on se dit que c'est pas foufou, hein. Faut juste qu'elles soient impressionnées et il faudra tout mettre sur les petits trucs mignons. Les meufs, elles adorent ça. T'es stressé pour ton date? Oui, mais là, j'ai pas le temps de penser au date. Là, je pense juste à comment aller au date. Ah, mais mec, ça ressemble plus à rien, là. Non, mais t'inquiète, mec. Bah oui. Non, mais oui, justement, en fait, ça, le truc, c'est que je m'inquiète. Non, mais regarde, là, tu te dis c'est de la merde, mais regarde, mec. Ah, j'avoue, voilà, ça a direct beaucoup plus de gueule. J'avoue que je m'y attendais pas que ça soit aussi bien, voilà, je te dis. Là, je mets des petites vis, dring, 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 dring. Et après, bah, mec, on fait pareil de l'autre côté, devant, derrière. Et on a fini. Et on n'a pas fini, parce que pour l'instant, ça sera juste beau, quoi. Ça sera pas forcément un bateau utilisable. Moi, je le sens bien, ce petit bateau, là. Mais faut y croire, hein. Je vais le personnaliser pour mon amour. Enfin, c'est peut-être mon amour, c'est pas encore sûr qu'on soit ensemble. Mais je pense que ça va la faire craquer quand on va voir ça. Tu vas mettre quoi au bout du bateau? Tu vas le faire plat? Je sais pas encore, mais oui, je pense. Moi, la menuiserie, ça a toujours été ma passion. Par contre, on dirait un petit cercueil quand même. J'avoue, on dirait un cercueil. Non, arrête, dis pas ça. Non, en vrai, ça a quand même un peu une gueule de bateau. Ok, merci. Là, tu me fais plaisir, tu vois. C'est faux, ça ressemble à un cercueil. Hein? J'entends ce que tu dis un peu quand même. Putain! Ça rend fou, ça. T'es sûr? Oh putain. Ah, nardé de mouk. Après, mec, si tu veux, je peux venir avec toi à ton date. Non, mais c'est juste que on peut pas sur le bateau être à deux. Ah merde. Non, sinon j'aurais trop kiffé. Ah dommage. Regardez, on a prévu une petite fente pour bien évidemment l'entrée du bateau.
Eh oui, on pense à tout. Il est tout mignon ce bateau. Il est magnifique, frère. Bon, bah pour l'instant, on a ce petit bateau. Franchement, il est cool pour l'instant, là. Là, dans exactement 2 minutes pour vous, on fait le premier test dans l'eau. Pour voir est-ce que déjà, il coule ce bateau. Oui, tiens, ça se trouve, on va faire premier test, one shot. On y va, mon date est réussi. Tu seras peut-être en avance à ton date. Il est quelle heure, là? Il est 19h05. Dans 1h30, j'ai mon date. Et l'assise, elle est pas du tout confortable, mais imagine-moi en train de faire ça. Oui, parce qu'on n'a pas de moteur. Pas parce que ça coûtait cher, pas parce que voilà, c'était plus simple avec des rames. Parce que les gars, je vais arriver contracté. Je vais être comme ça. Je vais tout donner pour arriver super vite en mode je suis à l'aise, je suis un sportif de fou. Ah oui, les gars, t'arrives à ton date en mode sportif, ça y est, c'est gagné. Ça va absolument rien dire. Mais ça, faut leur faire croire dans leur tête. On va prendre ce truc-là. Alors, on voulait pas tricher avec la piscine. Mais ça, c'est une putain de bonne idée. On va le mettre en dessous, comme ça, on aura notre truc un peu flottant. C'est pas tricher. Putain, si, mais elle fait un peu la gueule quand même. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas en forme. J'espère qu'elle sera pas comme ça à mon date, la meuf. Si elle fait un peu la gueule, là. T'as deux beaux flotteurs, là. Putain, mais de fou, mec. Incroyable, ça. On va prendre ça, des petits bidons qu'on va mettre là. Donc là, déjà, c'est de la récupération. Faut flotter, de toute façon, faut que je flotte. Limite, je peux me mettre une bouteille d'Ice Tea, quand j'arrive à mon date, hop, je la retire. Tu ramènes une bouteille d'Ice Tea. Tu sais que mec, ouais. Là de plus en plus je suis confiant pour ton bateau. Sérieux? Je te jure, mais genre là l'idée de ça là, ouais. Je pense que ça va bien le tenir genre. On a une putain de bâche. Parce que là le problème c'est que si on va dans l'eau, ok ça flotte, sauf que moi bah non mais je coule. Parce qu'il y a plein de trous là. Ah oui, donc faut protéger tout ça avec une bâche. Ah ouh. Petite actu comme ça là pour ceux qui sont là à ce moment-là dans la vidéo, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne parce que prochainement il y a une vidéo, on va dormir au Mili, le resto de Michou. Activez la cloche parce qu'on va foutre le bordel au Mili. Il est pas au courant Michou, il est mort. Son resto il va exploser. Bonne idée ça. Ah mais ça te sonne bien. Ça va mon gars. Ouais, bac pro menuiserie ou pas bac pro menuiserie mon gars. Ah ça. Putain, je me suis fait défoncer par mon propre bateau. Aïe. Non, vous sentez pas à part, on est toujours là, on vous regarde, on vous a pas oublié. Si l'eau elle monte au-dessus de ça et qu'elle va là, c'est mort. Y'a plus de divertissement là, faut se dépêcher là. Voilà, c'est ça mon gars. Oh yeah. Oh. En fait le truc il m'a pincé de fou, j'ai eu trop peur mais ça va heureusement. J'étais obligé. On fait le test sans moi dedans, c'est juste le bateau. Vas-y go. On lâche? Ouais lâche. Ok viens on essaie de mettre du poids dedans pour voir. Vas-y. Mec. 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 Ça tient trop bien. Ça tient de fou malade. Je monte dedans pour voir. Vas-y. Oh, j'ai peur. Oh putain, oh putain. Attends, je te lâche. Attends, essaie de t'asseoir. Mais pourquoi il fait comme ça? C'est parce qu'il est pas super équilibré, genre. Ah, en ramant, tu vas galérer, tu vas peut-être te retourner, genre, regarde. Oh. Ah oui, c'est grave possible que je me retourne. Mais mec, il est incroyable ton bateau. Faut juste que tu sois stable. Alors, frérot. Déjà, on est content, il flotte déjà. Il n'y a plus besoin de rajouter d'autres trucs et tout, était très bien. Mais le seul problème, les gars, c'est que c'est pas du tout équilibré. Viens, on refait un vrai test. Putain, je suis tellement à l'ouest, je l'ai vu et j'ai l'impression que le bateau il a gonflé d'un coup. Là. Mec, ça m'énerve. C'est bon, c'est bien. Mais je sais que je vais me retourner dedans. Je t'aide pas, attends, je t'aide à la fin pour être sûr au cas où. Ouais. En fait, dès que t'as l'équipe, genre là, ça va. Genre. Mais en fait, c'est toi qui vas aller à mon date, frère. Non, tu te démerdes, salut. Allez, salut, frérot. Hein. Intempérie. Vas-y. Wesh. Tac. T'es fini là. On s'occupe de l'intérieur du coup. Je stresse énormément dans ma tête, il y a que ce truc là de je vois cette image là. Parce que c'est sûr que ça va arriver. Moi, comme ça. Et je suis à l'envers encore en train de pagayer mais sous l'eau. En train d'essayer de te remettre genre. Je pense qu'on va se mettre un petit sol de salle de sport. Parce que oui, il y aura aussi une salle de sport. Voilà, c'est pas mal déjà ça là. Ça sert à rien. Là, on va se mettre un petit capot, hop, pour pouvoir avoir les petits pieds dans le bateau, histoire de se dire, ok, on est en sécurité dans le bateau, alors que c'est faux, t'es pas du tout en sécurité. Et bah, on a fini l'essentiel de ce bateau. Maintenant, on va retourner sur le même lieu, faire de la décoration, l'améliorer, et après, on va pas tarder à aller à mon date. Ça y est, on est arrivé. Bon, on va se faire un peu de déco, parce que là, il fait un peu la gueule. Enfin, mais quand on aime, on compte pas. Je regarde un peu de dégradé. Oh, c'est beau là-dessus, là. Et mec, ah. On n'a pas le temps, frère. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mais juste, je voulais m'amuser, je te jure, vite fait. Depuis tout à l'heure, je travaille, j'ai envie de m'amuser. Regarde. Oh, merde. Wow. Ouais, t'es dangereux, frérot.
T'es dangereux, frérot. Désolé. Bon, malheureusement, il tient pas. Mais c'est pas grave, il y aura tellement de vent, il va aller tellement vite, mon bateau. Que gros, avec le vent, ça va. Mec, en vrai, il a de la gueule, hein. Prends un peu de recul, il a de la gueule, hein. Bon, c'est maintenant. Allez, frérot, bonne chance. J'ai pas envie, mais faut se dépêcher parce que là, le date, on va le rater, là. Allez, vas-y, emmène le bateau à l'eau. J'y vais. J'ai pas envie, on peut faire demi-tour? Non. Non, mon date. Ah, j'ai les pieds trempés. Je peux pas tomber maintenant, c'est impossible, t'inquiète. Voilà. Installe-toi bien, je te pousse tout doucement. Voilà, là t'es solo. Doucement. Allez, viens, refais. Je pense que là, tu seras plus stable, genre. Faut que tu fasses l'équilibre, mec. Ouais, lâche-la. Voilà, no stress. No stress. La cam 3-6, la 3-6. La 3-6. Putain. Dépêche, mec, tu vas être en retard. Allez, t'es prêt, je vais te pousser un petit peu. Attends. Stop, équilibre, trop. Allez hop, ce concept est un flop. Non mec, réessaye. Non mais là c'est le Titanic, frérot. Ah ouais? Là c'est fini. Ah putain, j'avoue. J'ai plus de pied ici. Je jure. Désolé. Oh mec, au moins t'auras tout donné pour, genre. Frérot, faut te dire ça. Attends, faut trouver l'équilibre. Je suis un peu que plus rien pour toi, t'es trop long. Jérôme, tu es trop long. T'es un malade. Cool, mec. Mais du coup. Ok, mec. C'est direct toujours là. Attends. On est mort. À gauche toute. Oh, sortez de l'eau. Ah, mec, j'ai mis l'aiguille dans le bras. Moi aussi. Ah. Est-ce qu'on abandonne? Ouais, c'est mort. Bon bah, c'était un flop, hein. Sur le papier, ça passait bien, juste l'équilibre, on voyait qu'il y avait un problème. S'il y a 20 000 likes sur cette vidéo, on fait une partie 2, je vous la sors en septembre, mais le bateau sera 4-5 fois plus grand. À vous de jouer!